Et plutôt des ordonnances. Du gouvernement, je ne sais pas, mais j'ai entendu des bruits de couloir de certains membres de la dite majorité, qui n'est pas majoritaire, envisageant la possibilité de laisser passer suffisamment de temps pour qu'à la fin, puisque c'est la Constitution qui le dit, si le budget de la responsabilité du Parlement n'a pas pu être examiné dans les délais constitutionnels, alors le gouvernement peut procéder par ordonnance. Ce serait un déni de démocratie inacceptable et insupportable, et dans ce cas-là, nous déposerons une motion de censure en utilisant, c'est un peu technique, l'article 49.2 de la Constitution, puisque, vous savez, on peut déposer une motion de censure en réaction à un 49.3, mais on peut aussi déposer une motion de censure dans notre Constitution, en dehors d'un texte, et nous le ferons si le gouvernement tente de contourner le vote du Parlement sur le budget. Donc l'arme de la censure est toujours brandie. Une question sur le fond, Manuel Bompard, puisque le ministre de l'Économie, Antoine Armand, a indiqué hier dans une interview aux Échos qu'il y aurait un nouvel effort demandé aux Français. Il faut, selon lui, augmenter le nombre d'heures travaillées des Français chaque année pour financer notre modèle de protection sociale. Que pensez-vous de cette idée ? Mais en fait, c'est quand même assez curieux. Depuis le début de cette discussion budgétaire, à chaque fois que nous faisons des propositions, par exemple, on a fait voter une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes. Chaque fois que nous faisons des propositions de cette nature, le gouvernement vient sur les plateaux de télévision et dit « Oh, attention les insoumis, le nouveau Front Populaire, vous voulez faire payer la facture à tous les Français. » Et donc ils essayent de nous faire porter cette responsabilité alors que c'est complètement faux. Les propositions que nous faisons se concentrent sur la minorité de celles et ceux qui ont les moyens de contribuer davantage. Et le gouvernement dit en même temps ça pour essayer de disqualifier nos propositions et en même temps ne cesse de multiplier les propositions qui, elles, vont impacter l'ensemble des Françaises et des Français. Dans le budget, il y a le report de la revalorisation automatique des retraites qui normalement devait avoir lieu au 1er janvier et qui aurait lieu qu'au 1er juillet. Il y a l'augmentation des factures de l'électricité. Il y a les jours de carence pour les fonctionnaires. Ouais. Et maintenant, il y a le fait de faire travailler les gens davantage. Moi, je dis stop, arrêtez avec ça. 60 milliards, c'est dont on a besoin. 60 milliards, c'est précisément le montant sur lequel on s'est assis. L'État s'est assis depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'il a distribué en cadeau aux plus riches et aux grandes multinationales. Donc, c'est à eux qu'il faut reprendre ça, et certainement pas aux Françaises et aux Français de venir boucher le trou. Manuel Bompard, figure montante de la gauche, dévoile l'impasse dans laquelle les choix politiques d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier ont plongé la France. Une impasse qui se joue non seulement au niveau économique, mais aussi au détriment des valeurs humaines et sociales qui devraient pourtant être au cœur de toute politique publique. Alors que la majorité présidentielle de Macron se contente de préserver les intérêts d'une élite ultra-riche, Barnier, lui, cherche encore à surfer sur les vieilles recettes d'une droite dure, ancrée dans un néolibéralisme qui écrase les plus vulnérables. Mais face à cette politique désastreuse, une autre voix s'élève, celle de Manuel Bompard, qui n'hésite pas à dénoncer le système dans lequel ces deux-là se complaisent. Avec un ton incisif et sans détour, Bompard met en lumière les dérives budgétaires de Macron et la vision rétrograde de Barnier, deux hommes qui, au final, défendent un même modèle, celui de l'austérité, de l'injustice sociale et de la destruction des services publics. Dans cette vidéo, il n'est pas seulement question de chiffres ou de réformes fiscales, mais bien d'une vision radicalement différente de la société, une vision qui prône la solidarité et l'égalité, et non le sacrifice des plus fragiles au nom du profit. Macron, avec ses cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et Barnier, avec ses positions ultra-sécuritaires et eurosceptiques, sont les symboles d'un système où la voix du peuple ne compte plus. L'échec de leur politique, que Bompard met en lumière, ne se limite pas à une simple question de budget, mais traduit une faillite morale et sociale qui coûte cher aux Français. Politique aujourd'hui, c'est Manuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale qui est représentée aujourd'hui par Fabrice Vessard-Redon pour le groupe EBRA des journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Alexandre. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors Manuel Bompard, on va commencer par évoquer les élections américaines. Le scrutin a lieu demain. Est-ce que les insoumis souhaitent clairement la victoire de Kamala Harris ? Bon, d'abord, les insoumis, ils ne sont pas électeurs américains, donc ils ne se prononcent pas à la place du peuple américain. Les insoumis, bien évidemment, ils ne veulent pas de la victoire de Donald Trump, ça c'est une évidence. Par contre, ils ont un certain nombre de divergences assez profondes aussi avec la candidate Kamala Harris. Je pense en particulier à la question de son positionnement sur les questions internationales. Donc, bien sûr, on veut pas que Trump gagne, mais je veux pas vous dire que on accueille la candidature de Kamala Harris avec beaucoup d'enthousiasme.
Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas électeurs américains, c'est le peuple américain qui tranchera, et il faudra faire avec. Sur la question palestinienne, est-ce que vous comprenez ces électeurs américains pro-palestiniens qui vont voter Trump, car ils reprochent à l'administration Biden-Harris eh bien, de soutenir trop fortement Israël? L'aboutissement de leur raisonnement, c'est le vote pour Donald Trump, alors non, je ne le comprends pas. Par contre, qu'ils aient vis-à-vis des positionnements en matière internationale de Kamala Harris des doutes importants, ça oui, effectivement, je peux le comprendre. Mais je ne crois pas que la candidature de Donald Trump apporte quelques réponses que ce soit plus convaincantes en matière de retour vers la paix, que ce soit d'ailleurs au Proche-Orient ou dans d'autres zones du monde. Donc je peux comprendre leurs interrogations. Si leurs conclusions les amènent à voter pour Donald Trump, là je ne le comprends pas. Manuel Bompard, on va parler de la lutte contre le trafic de drogue, puisque les drames liés à ce narcotrafic se multiplient ces derniers jours dans notre pays, Poitiers, Rennes, ou encore un drame dans la banlieue de Valence. La France est-elle en train de devenir le Mexique, pour reprendre les mots de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? Écoutez, je pense que la situation elle est suffisamment grave et délicate pour éviter ces effets de manche par des discours qui sont de plus en plus provocateurs. Heureusement, vous savez, en France, on n'a pas le même taux d'homicide relativement à la population qu'au Mexique. J'ai regardé un petit peu les chiffres, c'est 20 fois plus au Mexique qu'en France. Donc je pense qu'il faut éviter ce type de propos qui vise à donner l'impression d'une situation qui n'est pas celle que l'on vit aujourd'hui en France. La situation en France, elle est suffisamment grave et suffisamment délicate pour agir concrètement sur le sujet et pour éviter ces formules à l'emporte-pièce auxquelles on assiste. D'ailleurs, c'est pas propre à M. Retailleau. M. Darmanin avait fait la même chose dans la mandature précédente, dans le gouvernement précédent. Et pardonnez-moi, ça n'a rien réglé aux problèmes concrets. Donc moi, je pense qu'il faut un petit peu moins de grandes phrases, un peu moins de communication, un peu moins d'actions concrètes sur le sujet. C'est un sujet que vous connaissez bien à Marseille. Oui. Les choses ont avancé ces dernières années, concrètement? Malheureusement, je pense qu'on peut difficilement dire que les choses ont avancé. Écoutez, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut, à mon avis, arrêter de faire. Je trouve qu'on est toujours dans la même logique d'abord de beaucoup de communication, j'en ai parlé, et d'un peu moins d'actions concrètes. Et l'action concrète, à mon avis, elle passe, je pense, sur deux points. Premièrement, c'est prioriser le développement et le renforcement de la police judiciaire, parce que c'est la police judiciaire qui a dans ses missions le travail d'enquête, le travail de remontée des réseaux. Or, j'observe que dans le budget 2025, par rapport au budget 2024, moi je suis allé voir les chiffres, on parle de 5000 postes en moins dans la police judiciaire. Donc moi, je veux bien qu'on aille sur les plateaux de télévision faire des grandes déclarations sur le sujet, mais si après les efforts budgétaires ne sont pas positionnés au bon endroit, on ne réglera rien au problème. Et puis deuxièmement, j'assume de dire qu'il faut aussi tourner la page de cette politique de la prohibition généralisée qui ne produit aucun résultat. Vous avez en France aujourd'hui une législation qui est parmi les plus répressives dans le monde sur la consommation de cannabis. Ça veut dire quoi? C'est dépénalisé? Moi, je suis pour aller vers la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, vous occupez l'essentiel des effectifs de police à aller chercher les consommateurs sur le terrain, alors qu'il vaudrait mieux mettre ses efforts dans la lutte contre les réseaux criminels organisés, contre le trafic d'armes, contre l'arrivée de la drogue sur le territoire national. Et je pense que la légalisation, elle permettrait en quelque sorte, en un seul coup, de vider une grande partie du marché. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et j'observe que le gouvernement s'entête dans ce qui me semble être une impasse. Justement, on va en parler, mais légaliser le cannabis, est-ce que ce ne serait pas envoyer un contre-signal, notamment aux jeunes, alors que le narcotrafic fait des morts chaque semaine dans notre pays? Moi, je pense précisément l'inverse, c'est-à-dire que, d'abord, entendons-nous bien, dire qu'il faut aller vers la légalisation du cannabis ne veut pas dire que le cannabis est un produit qui n'est pas un produit dangereux. Il y a d'autres produits dangereux en France qui sont légaux. Je veux dire, la consommation d'alcool, elle est importante en France, alors que tout le monde sait que ça a un impact délétère sur la santé. Mais précisément, la légalisation, elle permet aussi de concentrer la communication et les moyens vers des politiques de santé publique. Il est plus facile de faire des politiques de santé publique à l'égard d'un produit qui est un produit légalisé qu'à l'égard d'un produit qui est un produit interdit. Et donc le taxer. Et donc de le taxer. Le taxer, le mettre dans un marché qui est un marché légal et qui permet de couper les flux financiers pour les trafiquants. Donc je pense que, moi je veux dire, je pense qu'il faut sortir du débat assez théorique entre ceux qui vous, il y aurait d'un côté les laxistes et
et de l'autre ceux qui sont fermes. Moi, c'est pas ma grille d'analyse. Ma grille d'analyse, c'est qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui permet d'abord de lutter contre la consommation de drogue, parce que la consommation de drogue, c'est pas une bonne nouvelle pour la société. Et deuxièmement, qu'est-ce qui permet de lutter contre les drames auxquels on assiste depuis malheureusement des mois et des mois, ouais, en France, et j'ai envie de vous dire depuis des années et des années. Alors, à Marseille, ouais, par exemple. Alors le ministre de l'Intérieur veut aller dans le sens inverse de ce que vous proposez. Il propose de pénaliser davantage les consommateurs de drogue. Il estime qu'il y a du sang au bout de chaque joint. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Mais parce que en fait cette logique-là, elle a déjà été employée sous la mandature, le gouvernement précédent avec Monsieur Darmanin comme ministre de l'Intérieur. On a mis en place les amendes forfaitaires quand on attrape des personnes avec du cannabis sur eux. Ah, est-ce qu'à un moment on peut évaluer l'impact d'une politique avant de s'entêter dans la même direction ? Ça n'a produit aucun résultat. De la même manière, sur les grandes opérations de communication, il y a quelques mois de cela, on a fait les opérations Place Net, et puis après, comme ça suffisait pas, vous voyez, en termes de communication. Attention, on a fait les opérations Place Net XXL, c'est les grandes opérations Place Net. Est-ce qu'à un moment, on tire le bilan de ces initiatives ? Moi, je peux vous dire, l'opération Place Net XXL à Marseille, qui soi-disant permettait de placer en comparution immédiate beaucoup de gens, etc., j'ai fait les calculs par rapport à la semaine où il y a eu l'opération Place Net XXL par rapport à la semaine un mois précédemment, il y a eu exactement le même nombre de personnes en comparution immédiate. Ça n'a produit aucun résultat. Le seul résultat auquel ça conduit, c'est de la communication. Le ministre arrive dans tel ou tel quartier où il y a un point de deal avec les caméras et les CRS, et une fois que les caméras et les CRS et le ministre sont partis, le lendemain, il reste les habitants du quartier avec toutes les difficultés qui sont toujours là. Donc moi, je dis arrêtez de faire semblant, arrêtez de bomber le torse, ça sert à rien. La politique de shérif, on n'en peut plus. Maintenant, on veut de la politique qui soit efficace, c'est-à-dire qui permette de résoudre les difficultés des habitantes et des habitants de nos quartiers populaires qui sont confrontés à ces difficultés. Sur la question du signal envoyé sur la consommation de drogue, sur la question de l'exemplarité, la France insoumise est pointée du doigt, hein, puisque le député insoumis Andy Carbrat a été pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue. Est-ce qu'il doit démissionner en signe d'exemplarité ? Non, mais bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire le lien entre la question, le sujet précédent et celui-ci. Je pense que c'est deux sujets de nature. C'est le sujet de la drogue. Non, mais il n'y a pas de problème. Je réponds à votre question. Mais là, on parlait des drames liés à des morts chaque semaine. Et on parlait aussi de la pénalisation après des consommateurs. Dans nos quartiers populaires. Pour le reste, je pense que ce député a reconnu lui-même qu'il souffrait d'une addiction. Il s'est engagé à suivre un parcours de soins. Et moi, je l'encourage dans cette voie pour pouvoir être soigné. Il faut aussi changer un peu le regard qu'on a dans nos sociétés sur ces addictions, qui sont des maladies. Et il faut accompagner les personnes qui souffrent de ces addictions pour leur permettre d'en sortir. Donc je pense que c'est le cas pour Andy Carbrat. Et je pense que c'est la manière avec laquelle il faut s'attaquer à cette difficulté. Maintenant, il a eu au moins le mérite de reconnaître cette difficulté. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les parlementaires. Je crains qu'il ne soit pas le seul à souffrir d'une addiction. Et je pense que plutôt que d'en faire un enjeu politicien pour aller stigmatiser telle ou telle force politique, on devrait affronter cette difficulté telle qu'elle existe dans toute la société. Elle existe aussi à l'Assemblée nationale. Et faire en sorte que les personnes qui souffrent de ces addictions s'engagent aussi à suivre des parcours de soins. On va parler de l'examen du budget, Manuel Bompard, qui se poursuit cette semaine à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances, son examen en tout cas devrait reprendre cette semaine. Il reste 1500 amendements. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez arriver au bout de l'examen de ce PLF et que vous allez arriver à voter ce texte ? Car je le rappelle, il y a des délais impartis avant le passage du texte au Sénat. Bah écoutez, moi je le souhaite. Je souhaite qu'on aille au bout de l'examen budgétaire et je souhaite que les parlementaires puissent voter sur ce budget. C'est un budget qui d'ores et déjà a été très largement transformé en particulier sous l'impact des amendements que nous avons réussi à faire voter à l'Assemblée nationale, puisque je vous le rappelle, Michel Barnier dit qu'il faut faire 60 milliards d'euros d'économies. Lui, il a fait une proposition pour y parvenir. C'est à peu près un tiers de nouvelles recettes, deux tiers de baisse dans la dépense publique. Par les amendements que nous avons réussi à faire voter à l'Assemblée nationale, nous avons fait la démonstration qu'il est possible de générer 60 milliards d'euros de nouvelles recettes en s'attaquant en particulier ou en mettant à contribution en particulier les plus riches, les grandes entreprises, les grandes multinationales qui se sont gorgées d'argent public depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc je pense qu'on a un autre budget possible qui est NFP compatible, pour dire les choses comme telles, et je souhaite que ce budget puisse être voté à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le nombre d'amendements, si vous regardez les choses en détail, vous verrez que la moitié de ces amendements ont été déposés soit par le bloc macroniste, soit par le parti Les Républicains qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. Donc il y a une volonté d'obstruction de la part du socle du gouvernement ? Bah, à minima, ça révèle
l'absence totale de cohérence de ce qui est censé être le bloc qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. On a quand même assisté à des scènes particulièrement extraordinaires dans lesquelles c'est un amendement déposé par le groupe Les Républicains qui essaye de supprimer un article du budget proposé par Michel Barnier, membre du parti Les Républicains. Donc je les invite à être un petit peu plus cohérents dans cette discussion et effectivement à ne pas faire perdre du temps pour nous empêcher d'aller au bout. Je soupçonne certains, pour être tout à fait transparent avec vous, je soupçonne certains d'avoir la volonté de dépasser les délais constitutionnels, parce que si on dépasse les délais constitutionnels, alors on peut ensuite envisager de passer le budget par ordonnance, et c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale. Donc je préviens, je préfère prévenir, s'il y a un 49-3, la France Insoumise déposera une motion de censure, mais s'il n'y a pas de 49-3 et que le gouvernement veut passer par ordonnance, la France Insoumise déposera aussi une motion de censure. Il n'y a pas de chemin qui empêche aux parlementaires de s'exprimer sur le budget. En tout état de cause, nous ferons en sorte que les parlementaires puissent s'exprimer sur ce budget, s'il le faut, par une motion de censure. – Donc vous pensez que le but secret du gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de vote au final du Parlement sur ce budget, même pas de 49-3 et plutôt des ordonnances ?– Du gouvernement, je ne sais pas, mais j'ai entendu des bruits de couloir de certains membres de la dite majorité, qui n'est pas majoritaire, envisageant la possibilité de laisser passer suffisamment de temps pour qu'à la fin, puisque c'est la Constitution qui le dit, si le budget de la responsabilité du Parlement n'a pas pu être examiné dans les délais constitutionnels, alors le gouvernement peut procéder par ordonnance. Ce serait un déni de démocratie inacceptable et insupportable. Et dans ce cas-là, nous déposerons une motion de censure en utilisant, c'est un peu technique, l'article 49.2 de la Constitution, puisque, vous savez, on peut déposer une motion de censure en réaction à un 49.3, mais on peut aussi déposer une motion de censure dans notre Constitution, en dehors d'un texte. Et nous le ferons si le gouvernement tente de contourner le vote du Parlement sur le budget. Donc l'arme de la censure est toujours brandie. Une question sur le fond, Manuel Bompard, puisque le ministre de l'économie, Antoine Armand, a indiqué hier dans une interview aux Échos qu'il y aurait un nouvel effort demandé aux Français. Il faut, selon lui, augmenter le nombre d'heures travaillées des Français chaque année pour financer notre modèle de protection sociale. Que pensez-vous de cette idée ? Mais en fait, c'est quand même assez curieux. Depuis le début de cette discussion budgétaire, à chaque fois que nous faisons des propositions, par exemple, on a fait voter une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes. Chaque fois que nous faisons des propositions de cette nature, le gouvernement vient sur les plateaux de télévision et dit « Oh, attention les insoumis, le nouveau Front Populaire, vous voulez faire payer la facture à tous les Français. » Et donc ils essayent de nous faire porter cette responsabilité alors que c'est complètement faux. Les propositions que nous faisons se concentrent sur la minorité de celles et ceux qui ont les moyens de contribuer davantage. Et le gouvernement dit en même temps ça pour essayer de disqualifier nos propositions et en même temps ne cesse de multiplier les propositions qui, elles, vont impacter l'ensemble des Françaises et des Français. Dans le budget, il y a le report de la revalorisation automatique des retraites qui normalement devait avoir lieu au 1er janvier et qui aurait lieu qu'au 1er juillet. Il y a l'augmentation des factures de l'électricité. Il y a les jours de carence pour les fonctionnaires. Et maintenant, il y a le fait de faire travailler les gens davantage. Moi, je dis stop, arrêtez avec ça. 60 milliards, c'est dont on a besoin. 60 milliards, c'est précisément le montant sur lequel on s'est assis. L'État s'est assis depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'il a distribué en cadeau aux plus riches et aux grandes multinationales. Donc, c'est à eux qu'il faut reprendre ça, et certainement pas aux Françaises et aux Français, de venir boucher le trou. – Concrètement, un retour aux 39 heures, c'est pas envisageable chez vous. – Mais non, bien évidemment, au contraire, d'abord il faut appliquer vraiment les 35 heures, et on sait qu'ils ne sont pas appliqués dans un certain nombre de secteurs, et ensuite il faut continuer à avancer vers la diminution du temps de travail, le partage du travail, alors que la productivité augmente, elle a continué à augmenter, elle a un peu baissé pendant le Covid, mais elle est toujours sur une tendance qui est une tendance à la hausse. La question qui nous est posée, c'est qui profite de ces gains de productivité? C'est les salariés qui travaillent mieux, qui sont plus productifs qu'avant. C'est normal que ce soit eux qui en profitent, et certainement pas le capital, les dividendes versés aux actionnaires. Enfin, pardonnez-moi, mais l'année dernière, les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un record historique. On n'a jamais distribué autant de dividendes versés aux actionnaires. Expliquez-moi pourquoi on ne pourrait pas les mettre davantage à contribution. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Leur patrimoine, il a doublé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous mettez une taxe de 2%, ça concerne 147 personnes, ça permet de rentrer à peu près 15 milliards d'euros de recettes nouvelles. Vous avez fait un quart du chemin en mettant à contribution 147 personnes. Ben moi, je préfère ça plutôt que de faire travailler les gens plus longtemps, de diminuer les remboursements des consultations médicales et des médicaments, de reporter les revalorisations des retraites ou d'augmenter les factures de l'électricité. Donc là, c'est une question de choix politique qui sont devant nous. Alors, vous avez voté beaucoup de taxes supplémentaires. Est-ce qu'il faut également
également voté le retour de la taxe d'habitation. La ministre des Collectivités, Catherine Vautrin, y est opposée, mais elle ne ferme pas la porte à une future contribution. Je vais répondre à votre question, mais pardonnez-moi d'abord de préciser. Vous dites que vous avez évoqué beaucoup de taxes supplémentaires, et je ne voudrais pas donner l'impression, si vous voulez, que les propositions que nous avons faites, allaient s'appliquer à l'ensemble des Françaises et des Français. Toutes les propositions que nous avons faites, nous avons fait, concentrent une partie de la population. Non, mais je dis ça parce que le discours gouvernemental ambiant, c'est qu'à chaque fois que vous proposez une augmentation de la fiscalité concentrée sur une petite partie de la population, ils vous accusent de vouloir mettre à contribution. Sur la taxe d'habitation. Maintenant, sur la taxe d'habitation, nous avons fait une proposition. Malheureusement, de toute façon, elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, qui consistait à rétablir la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus riches. Bon, elle n'a pas été reprise. Ce qui est certain, c'est que la baisse de la taxe d'habitation, d'abord, elle a mis les collectivités locales dans une situation de grandes difficultés financières, et surtout, bien souvent, malheureusement, le gain en pouvoir d'achat, en fait, a été supprimé par l'augmentation de la taxe foncière ou d'autres impôts locaux. Donc, je pense qu'en tout cas, la question du financement des collectivités locales et de leur autonomie financière est une question qui demeure entière. On a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale le fait de revenir sur la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la question de la fiscalité propre pour les collectivités locales, elle reste posée, oui. Des questions sur deux procès importants qui débutent cette semaine, et d'abord le procès de l'assassinat de Samuel Paty qui débute aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 8 personnes sont accusées d'avoir participé à la campagne de haine qui a conduit à cet assassinat. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu, bien sûr, on s'en souvient, l'assassinat de Dominique Bernard en 2023 à Arras. Manuel Bompard, pourquoi on n'arrive pas à lutter contre cette pression islamiste contre notre école ? D'abord, j'espère que ce procès permettra de comprendre comment ce climat de menace s'est traduit par un passage à l'acte et par ce drame. Donc, bien sûr, d'essayer de comprendre les responsabilités de ceux qui ont contribué à ce climat de menace, de comprendre aussi pourquoi, je le dis sans volonté de polémique, mais un procès, ça doit permettre de faire la lumière aussi, pourquoi manifestement il n'y a pas eu les protections nécessaires. Il y a faute sur le sujet. Je ne sais pas. On a parlé d'éducation nationale. Écoutez, franchement, je ne sais pas, et moi je ne veux pas jeter des accusations aussi graves à l'emporte-pièce, mais je souhaite que ce procès puisse faire la lumière sur ce sujet, qu'on comprenne comment, alors que manifestement ce climat de menace était connu, ça a pu se traduire par ce drame. Voilà, donc ça je pense que ce procès il doit être utile pour ça. Je souhaite qu'il le soit. Et bien évidemment, je pense à la famille de Samuel Paty, à la famille de Dominique Bernard, à toutes celles et ceux qui ont vécu ce drame, dont la douleur est encore très vive. Et à tous ces enseignants qui ont quand même du mal à faire leur travail, hein, notamment en histoire géo, dans des écoles de banlieue. Je ne sais pas s'ils ont du mal à faire leur travail. Moi, vous savez, par exemple… Ils subissent des pressions. Mais ça peut arriver qu'il y ait des pressions, et ce n'est pas normal s'il y a des pressions, puisque effectivement les enseignants, ils doivent pouvoir enseigner librement et libérés de toute pression extérieure. Moi, je peux vous dire, il m'arrive quand même de me rendre dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, et y compris sur la question de la laïcité, je crois, et je pense que c'est ce que font beaucoup d'enseignants d'ailleurs, que quand vous avez un travail d'explication, de discussion, de dialogue, en vérité, vous convainquez, parce que les élèves, ils comprennent très bien que vous ne pouvez pas être distingué dans votre établissement scolaire en fonction de votre confession religieuse, et que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, et qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse distinguer les élèves en fonction de leur religion, et c'est ça le principe de la laïcité à l'école. Il y a encore des efforts à faire pour mieux appliquer la laïcité à l'école ? Je pense qu'il y a un travail d'explication, de pédagogie. On parle de jeunes gens, et faut comprendre qu'il y a plein de jeunes gens qui ne comprennent pas pourquoi, quand ils vont à l'école, ils ne peuvent pas avoir telle ou telle tenue. On peut comprendre qu'ils pensent ça, et donc c'est pourquoi le travail des enseignants, le travail de la communauté éducative, c'est faire le travail d'explication. Et quand vous faites ce travail d'explication, moi ça m'arrive de discuter avec les élèves de ce sujet, je trouve que dans l'essentiel des cas, ils comprennent très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déni quand même à la France insoumise sur l'aspect autocensure chez les enseignants dans ces zones difficiles? Moi, j'ai pas l'impression d'être dans quelque déni que ce soit. Je pense qu'il y a aussi une forme, si vous voulez, de d'hystérisation du débat public autour de la question de la laïcité. Et je pense que ça ne fait pas du bien
à la défense de la laïcité de d'hystériser ce débat. Je pense qu'il peut y avoir des difficultés. Quand il y a des difficultés, il faut les pointer, il faut les résoudre, qu'il y a une loi, elle doit être respectée. J'ai pas de désaccord sur ce sujet. Mais ce que j'observe, et ça c'est ma pratique, vous voyez, moi je suis pas dans le déni, j'essaye de voir aussi ma pratique, les discussions que moi je peux avoir avec les enseignants ou les élèves dans ma circonscription par exemple. Et bien sûr que parfois il peut y avoir des difficultés, mais dans l'essentiel des cas, je trouve que par le dialogue, par la discussion, par la pédagogie, on arrive à convaincre. Manuel Bompard, le procès de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne dans le centre de Marseille débute ce jeudi, 6 ans après le drame qui a fait 8 morts. Est-ce que vous demandez des peines exemplaires ? Écoutez, moi je suis très respectueux du principe de la séparation des pouvoirs. C'est pas à moi de dicter à la justice ce qu'elle doit faire, mais en tout cas je pense qu'il y a une attente. J'ai participé à une manifestation hier à Marseille. Voilà, après avoir mis en lumière l'échec cuisant des choix budgétaires d'Emmanuel Macron et Michel Barnier, une chose est claire, ce système ne fonctionne plus. Derrière chaque chiffre, chaque mesure, se cache une politique d'austérité qui sacrifie les plus vulnérables au profit d'une minorité qui ne cesse de cumuler les richesses. Macron, avec son discours toujours aussi déconnecté de la réalité des Français, continue de privilégier les plus grandes entreprises, les plus grandes fortunes, tout en demandant aux citoyens de se serrer la ceinture. Barnier, de son côté, reste figé dans des postures conservatrices et réactionnaires, obsédé par un projet européen qui ignore la détresse sociale des populations. Une vision du monde où l'intérêt général passe après les intérêts particuliers. Voilà ce qu'il nous offre. Mais au milieu de ce déni et de cette incompétence, une alternative existe. Et cette alternative, elle s'incarne dans la voix de Manuel Bompard. Ce n'est pas juste une question de chiffres ou de réformes économiques, il s'agit de porter une vision différente de la société, une société plus juste, plus solidaire, où chaque citoyen, qu'il vive en ville ou en campagne, soit respecté et puisse vivre dignement. Une société qui ne sacrifie pas l'avenir au nom d'un modèle économique obsolète et qui n'en finit pas de reproduire les inégalités. Bompard et ceux qui l'accompagnent nous montrent qu'il est encore possible de choisir un autre chemin. Un chemin où les services publics sont protégés, où les travailleurs sont respectés et où l'État joue enfin son rôle de régulateur pour garantir un avenir meilleur à tous, pas seulement à une élite. Parce que oui, ce budget n'est pas qu'une affaire de finances, c'est une question de choix politique, de choix de société. Est-ce qu'on choisit de continuer à alimenter le système qui a échoué? Ou est-ce qu'on choisit enfin de mettre en place un modèle économique qui place les besoins humains au centre des priorités? Macron et Barnier ont peut-être perdu cette bataille-là, mais la guerre pour une société plus juste est loin d'être terminée. Il nous appartient à nous, citoyens, de faire vivre ces idées, de continuer à dénoncer les inégalités, de réclamer ce qui nous revient de droit, une vie digne, une répartition équitable des richesses et une société qui ne laisse personne de côté.